Maman dans le noir. J'ai fait le live dans le noir. Mais en soirée, ça ne sera pas dans le noir. Je suis un peu fatigué là. Je veux juste te donner un petit détail. C'est pour tester ma page Facebook encore, hein, pour voir si ça fonctionne toujours très joli. Je voulais vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Vous, certains abeilles. Franchement, la première fois vous avez fait ça. Voilà. Bah, j'ai pris sur moi. Ok. Je suis resté tranquille. J'ai des personnes qui m'ont conseillé à côté. Pour ce qui arrive, si je déconseille fortement, à part les abeilles qui sont homosexuelles comme Mini Minor et moi, de venir se mêler de ce qui nous regarde. Parce que ça, c'est de l'escroquerie qu'il fait là. Il commence les problèmes avec les gens sur TikTok. Dans la vraie vie, quand ça les dépasse, il vient chercher la compassion des abeilles. Je n'ai rien à foutre, rien à branler. Il y a un sale faux profil qui est SVL ou c'est quoi. Je suis sûr que c'est Mini Minor lui-même qui est derrière le profil là. Je tiens à te dire que la première fois que tu as fait, je t'ai laissé. Cette fois-ci, ça ne va pas être bien. Je te dis, ça ne va pas être bien. Pourquoi? Parce que je vais tirer sur toi à balles réelles. J'ai pris le temps pendant plus d'une année. Je t'avais dit que quand tu fais les problèmes avec moi, je te laisse facilement comme ça, que du jour au lendemain, je me tais, je ne dis plus rien. C'est très dangereux. Ça veut dire que je suis dans un couloir bien précis, je t'attends là. Tu as fini de faire ta sorcellerie hier dans le live d'Oshiga. Le live d'Oshiga et Amer Kamer. Pour aujourd'hui venir faire genre. Oh, toi tu peux insulter, tu peux insulter. Quand ils étaient en train d'insulter, Collins Powell insultait Flore devant toi. Je suis venu dans le live, là, j'ai voulu monter. Je me suis dit que non. Si je monte, ça va t'aider à retourner ta veste. Je t'ai laissé dans le live, là, je l'ai enregistré. J'ai l'intégralité du live. Où ils étaient copieusement en train d'insulter Flore. Tu étais là. Le sale faux profil qu'on appelle, c'est métis, quoi. Dans le live de Amer Kamer Oshiga et comme Pokam où je suis allé monter. Est-ce que tu peux faire enregistrer? Parce que vous êtes souvent là, vous les tribalistes de la team PDGIS, les gros tribalismes, les vieilles mamans cachées avec les poils blancs, le gros tot. Quand les gens ont un problème, quand vous êtes dans le suivisme moutonnier des gens du village, vous allez venir supporter. Quand tu viens ouvrir ta sale bouche, parce que je sais que c'est Mini Minon qui se cache lui-même derrière le profil, là, c'est son travail d'ailleurs. Quand tu viens ouvrir ce qui te sert de gueule. Vous dites que Mini Minon est venu se rattraper, Mini Minon est venu se faire ceci. C'est parce que c'est ton frère du village ou bien c'est toi-même, d'accord? C'est la honte, tout ce que Mini Minon fait là, c'est la honte. Aujourd'hui, je rattrape l'imbécile sur TikTok. Hier encore, l'imbécile était sur TikTok. Il faisait un live où il se chamaillait avec ses amis. Où toujours, le gars là est monté, Prince Collins. Toujours insulter Flore, où ils ont mentionné mon nom. Hier, j'ai mis en garde Prince Collins, que quand ils font leur saleté là, que ce soit Prince Collins, que ce soit Mini Minon, que ce soit tous ces gens-là, je n'ai rien à branler. Ils ne me font pas peur. Quand on dit que c'est clashé là, les petits trucs qu'ils font sur TikTok là, quand ils ont parlé que Collins, hier, le clash lui a dépassé. On a soulevé, on lui a donné de déposer, ça, il n'a pas pu. Donc, je vais te dire quelque chose, toi, Mini Minon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il est temps que tu payes pour tout le mal que tu as fait. Tu es un diable, un démon, un radin. Tu ne payes jamais rien. Toujours là pour se coller derrière les gens avec la bouche qui sent, le corps rempli des os d'un sale menteur comme toi. Tu ouvres ta sale bouche, tu manques. Je fais l'école de médecine. Tu fais aide-toi, aide-soignant avec le neveu de Françoise Nganso à Paris. Tu n'avais même pas fini. C'est récemment que tu as recommencé à partir à Paris parce que tu étais reparti supplié par Bru-Bru à ce Beau. On t'a repris, tu n'as pas fini la formation. Tu veux que je te raconte, tu es champion pour raconter la vie des gens. Pourquoi qu'on ne connaît pas pour toi? On t'a supplié. Tu es revenu à Paris parce que tu faisais la colocation dans une petite chambrette avec Paul. Tu dis que tu as hébergé Paul. Toi, tu héberges toujours les gens. Vous êtes comme ça de toutes les façons. Et il y a une autre aussi là. Dans le pays, ici, vous devez faire normalement la paix. Les vermines, les raclures, toujours dans le paraître, 40 ans dans la mythomanie. Que oh, tu peux acheter le clou de chez toi. Tu es malade. Moi, comparé à toi, on ne te voit pas. Je t'ai dit, j'ai une belle taille, un beau visage. Comparé à toi, même un petit truc comme ça. Tu penses que l'un blanc peut discuter? Jamais. Quel médecin? Quelqu'un qui dort sur TikTok avec nous pendant 3 jours, il fait les lives successivement 2 jours. Il est aide-soignant. C'est maintenant. Il vient de finir les stages aide-soignant. Quel est médecin, médecin, médecin? Pardon. À Sogo Bibiche, je pense que c'est mieux que je te bloque parce que peut-être tu ne sais pas qui connaît. Attends, je vais bloquer à Sogo Bibiche.
Excusez-moi un peu, je reviens, je vais. Voilà, à ce beau bibi, je te bloque. Peste comme ça, je n'ai rien à branler. Voilà, j'étais bloqué à Sogo Bibiche. Maintenant que ton âme repose en paix, je ferai pareil pour toutes les personnes. Moi, vous savez, ça ne me donne rien, ça ne m'apporte rien. J'ai laissé ces choses, je me suis beaucoup reposé. Beaucoup reposé. Mon teint a glow, ça shine. Donc, il faut vous dire, là où vous êtes là, la catégorie des vieilles mamans tribalistes, là, vous pensez que vous aimez Flore. Personne de vous n'aime Flore. Pourquoi, au degré d'amour, comment je peux aimer Flore? Je vais dire encore quelque chose aujourd'hui. Hein? Je suis peut-être dans le noir, mais ça va faire son sens. Mini Minon est en train de vouloir amener Flo sur TikTok pour la ridiculiser. Sur TikTok, ce n'est pas comme ici sur Facebook. Hein? Les choses qui commencent, c'est clash avec les PD. Ils viennent mettre. Depuis la formation, dit non. Il avait commencé, il n'a pas fini. Inès Esso, il avait commencé et il n'a pas fini. Et il fait les stages aussi maintenant. Mini Minon n'est pas aide-soignant. Il peut vous prier sincère avec vous, qui vous le disent un peu. Mini Minon, pour une fois, sois sincère, parce que toi et moi, on en a parlé de ça. Pour une fois, sois sincère avec les gens. Il n'est pas médecin. Un médecin demande, un docteur demande, un médecin demande les cadeaux sur TikTok. Il apprend à quelle, sa grosse tête qui est comme la passoire, là, la médecine pas entrer dedans. Il va se travestir à quelle, on va lui foam dans les voitures à quelle, Mini Minon finit de se travestir, demande la voiture. Il est heureux à Paris. Tous les gars, wesh, wesh, là, dans les cités. C'est la porte de sa voiture qui est cassée, là. Quand je vous raconte que c'est un cassa. Bête Marie, va te faire foutre, imbécile, à cause de quoi? On vous dit que je vis selon. Et je vous ai dit, hein, Flo et moi, il y a cette marge de respect. On a nos trucs. Quand vous venez demander vos sales trucs, ne mets plus jamais le nom de Flo. À cause de Flo, on te dit que Flo va me demander d'aller me réconcilier avec quelqu'un. On n'est pas les enfants de Flo. Que ce soit Mini Minot, que ce soit moi, l'enfant de Flo, c'est Choupi. D'accord? À cause de. C'est comme ça que vous faites des gens aller faire la paix avec les démons qui sont en train de l'aider. Ils te bloquent aussi. Bertine, je te bloque. Allez, dégage d'ici. Va te faire faute. Casse-toi. Voilà. Bloqué. Que ton âme repose en paix. Bouffonne, fais la paix. Plus jamais, Mini Minon et moi. Je dis bien plus jamais. Et ça n'a jamais même. Je dis plus jamais. Plus jamais de la vie. Tu avais les gens. Mini Minon, depuis que je te connais, toutes les fois qu'on est sorti, tu as payé une fois quoi? Quand? La dernière fois que je t'ai vu, après qu'on ait fait la paix, on s'est retrouvé au conseil de Lady Ponce. Tu nous as suivis toute la nuit, on a payé. Nivakin peut être auxiliaire de vie. Moi, auxiliaire de vie, je n'ai pas moi la force, papa. Je vous dis qu'il fait aide-soignant qui dure 3 ans. On avait augmenté. Je sais pas, ici en Belgique, ça dure maintenant 3 ans. Ils ont augmenté ou c'est aide. C'est 10 ans. Merci, mon président Claude Akam. C'est 10 ans après études, après les bancs. C'est 10 ans. Quelqu'un qui est sur TikTok. Vous confondez soins infirmiers et infirmiers. C'est deux choses bien différentes, non, maman? Vanessa, les bouillies me là. C'est deux choses bien différentes, non? Mini Minor vend le piment. J'ai mis ton truc de piment hier et je vais encore le publier ici avec son numéro que par bru-bru, mais je l'avais acheté. Son numéro là, je l'ai. Au début, je croyais que c'est quelqu'un qui a mis. Quand j'ai tapé le numéro, c'est elle. Carrément. Il vient dire, il finit d'aller saboter Flore sur TikTok. Il finit d'aller insulter. Tu veux que je te rejoue ton live, ce que tu disais là-bas. Oh, ce n'est pas ma mère. Oh, machin, ceci. Vous croyez que les gens ne vont pas vivre tout le temps en fonction de ceci? Je pars dans le live de la mère quand même. Vous les abeilles là, vous oubliez trop vite. Quand vous m'avez interdit de m'opposer à l'amitié de Flore et Compresso aussi, interdissez-moi aussi de m'opposer entre ses ennemis et elle. Je suis parti dans ce live pour régler mes comptes. Je n'ai même pas fait allusion. Au contraire, j'ai bien précisé dans ce live que je ne veux pas être dans un panel où on insulte Flore. Ce qui lui a dépassé de dire parce qu'on a envoyé les petits cadeaux là-bas. Vous êtes malade dans vos têtes. On vous dit que je suis achetable. Vous pouvez acheter quelqu'un à combien même?
À combien même? N'importe quoi. Il est auxiliaire de vie, même aide-soignant là. Non, il a fait aide-soignant avec le truc. Il avait commencé auxiliaire de vie après l'avoir fait 6 mois. C'est ça qui est fini là. Avec la nièce de Françoise Nganso. Je ne mens pas. Elle est là. C'est même pas un personnage. Je n'ai pas inventé son nom. Hein. Elle a fait la formation là avec lui. C'est seulement parce que moi, elle ne veut pas seulement mettre la fille là-dedans. Je pense que la formation de soins infirmiers, c'est 3 ans. L'autre dit 1 an, l'autre dit 9 mois. Les Camerounais avaient leurs choses. Donc, je suis venu vous annoncer qu'au même moment où monsieur sera en live, je vais venir monter en live. Parce qu'il est qu'il passe chercher les problèmes aux gens sur TikTok. Il vient dire, vous commencez mini-minant. Après, dès qu'on va finir de l'insulter, il ne va pas venir dire que c'est lui qu'on a insulté. Il va venir faire croire aux abeilles et à la team qu'on a insulté toute la team pour que la team parte persécuter, aller faire les problèmes pour rien. Et on va commencer à manquer de respect à Flore. Flore ne monte plus dans ses directs quand il est dans les clashs. Monte dans ses directs pour causer. S'il est dans ces histoires de clash là pour gratter la visibilité. Et hier encore, il a fait un truc. Maman, je ne suis pas auxiliaire de vie. Ne mettez plus mon nom dans vos conneries là, hein, imbécile. Moi, je vais aller surveiller les grand-mères des gens. Pourtant, ma propre grand-mère au Cameroun. Moi, je ne fais pas ça. Je ne m'occupe pas des grand-mères des gens. Hein. Moi, je m'occupe de Madame Elandi, ma grand-mère. Je ne suis pas ici pour m'occuper des grand-mères des gens. Je suis désolé. Je ne fais pas ça. Je ne ramasse pas les caca pour qu'on m'insulte. En bon. Non, ici en Belgique, c'est 2 ans. Et c'est qu'on nous paie aussi bien aussi en Belgique, ici au Luxembourg par rapport à. Vous me dépassez, vous connaissez la médecine comme ça et vous êtes sur TikTok avec nous. Ce n'est que sur TikTok et voir. Donc, j'étais en train de dire que hein, Flo, pas dans ses lives quand il parle, il cause. Pourquoi il ne t'appelle pas dans ses lives quand les gens lui versent les cadeaux? Pourquoi il vient seulement que tu veux venir monter quand les gens sont en train de clasher? Pour que tu vas prendre des balles perdues, les gens vont t'insulter. Ce n'est pas ton mood. Tu es reine ici sur Facebook. Qui te laisse dans ton royaume? De temps en temps, tu peux aller dans d'autres royaumes explorer, hein, où tu es aussi propriétaire d'un compte TikTok. Mais qui te laisse faire ton contenu? Il va maintenant t'amener dans un contenu clash. Tu sors de Facebook du clash, tu vas encore entrer là-bas. Ne leur réponds plus. Laisse Mini-Mino avec ses amis Kwandenge. C'est entre nous. C'est entre nous. Le problème que Mini Minon essaie de vous amener là, c'est un problème des homosexuels. Ils volent les maris des gens. Tu lui laisses avec ton gars comme ça. Paul Cam a parlé hier. Hein. Je vais appeler Paul Cam dans mon live en note. C'est un petit frère de la communauté LGBT. Je ne peux pas accepter que Mini Minon essaye de s'asseoir sur son business. Mini est méchant. Mini est méchant. Il est en train de vouloir faire. Je vous explique ce qui se passe. Le petit là va sortir un truc qui vend les huiles. Je sais pas, un truc comme ça. Moi, c'est hier que j'étais au courant. Donc maintenant, il a envie que les abeilles vont aller entrer là-bas. Après, on va dire que ce sont les abeilles qui font le sale boulot chaque temps. Les abeilles. Jamais, maman. Je te vois souvent dans les lives TikTok là-bas. Non, tu dis, oh, tu me connais, mais moi, Mini, tu n'es rien. Mini, tu n'es rien. Ta bouche sang. Ta bouche sang. Quand j'appelle Paul comme petit frère, c'est par rapport à moi, à l'expérience de vie que j'ai. Moi, je pense que moi, je n'ai pas la même expérience de vie de mon vécu. Hein. Ce n'est pas parce que je suis son aîné, je ne connais pas son âge, mais je l'appelle petit frère, c'est parce que je sous-entends, de par la manière que je le vois faire, que j'ai un peu plus de maturité. Ce n'est pas que c'est une injure. Et je l'ai d'ailleurs dit dans le live, je les appelle mon petit frère. C'est un petit, il se débrouille aussi comme tous les autres. Laissez-le. Hein? Laisse-le, mini-minon. Va prendre les clips de papa Bru-Bru, tu fais les Minsunga avec, tu viens nous vendre. Si tu manques quoi faire, il l'a nous en zout. Un chien vient se placer et me crée de sale. Un sale, une saleté comme toi, un clodo. Chien, tu veux que je te montre mes toilettes là où je suis? Poubelle, pourriture. Un tout, il l'a nous en zout, un tout. Aveu, il l'a une chambre froide, cabaret, et à bourrasur, un bébé quoi? Hein? Bi tout mille ans.
Et sambibitongilang, tu peux dire quoi à qui, à part venir chercher la compassion des abeilles, comme tu vas venir gratter la compassion des abeilles ici, là. Hein? Tu es en train de venir ici, là, comme ça, pour venir mentir aux abeilles qu'il y a les gens qui parlent en général de la team pédégiste. Comme tu as fait la dernière fois, toi et moi, on avait un problème sur TikTok. Tu as couru. Maintenant, les grands-mères tribalistes, là, qui sont cachées dans la team pédégiste, que les maris ont chassé depuis, elles sont là 40 ans dans le faux profil. Leur utilité comme les vrais profils qu'on voit, les Mboma d'Angers, tous ces beaux mondes, les Claude Akam, qui sont là, hein, tenaces. Leur travail, ils font seulement dans les sales commentaires, les vieilles mamans pour tribalistes là. Kelly Broom, tant que je n'ai pas entendu, je ne t'ai envoyé nulle part, je te bloque. Parce que sur TikTok, tous les lives sont enregistrés, comparé ici à Facebook. Tous les lives sont enregistrés. Donc, tu ne peux pas venir mentir un truc sur quelqu'un sur TikTok qu'il a dit. Ou bien là, non. Va juste chez Bouillon Show sur TikTok. Tu vas trouver ça là-bas. Dans vos sales choses là, j'étais bloqué. Vous voulez juste que vous voulez crâner Flore dans la saleté avec les histoires des clashs des Kwandenge et vous allez ouvrir vos sales bouches pour dire que vous aimez Flore. Donc, Flore va se placer pour aller répondre à Pokam. Même s'il insultait, Flore va se placer pour aller répondre à Pokam. Franchement, et ce sont les femmes avec les gros culs, on dirait la mer Méditerranée, qu'il est en train d'insulter, là en train d'insulter. Donc, même s'il est en train d'insulter, hein, tu conseilles Flore de prendre son téléphone, aller répondre à Pokam. Mimbaminouamborilang avant et azout. Iguainouazout. Minimino a perdu son compte TikTok. Là maintenant, il a 17 000 abonnés. Il est le dernier dans les abonnés. Moi, je suis arrivé hier, je suis à 57, à 55, je suis en train de monter à 56. Il est dernier. Il était champion. Donc, c'est Minimino qui m'a amené sur TikTok, hein. Il allait me clasher sur TikTok. Je n'avais même pas un compte là-bas. Donc, je suis allé lui répondre. Il est venu avec le clash de TikTok sur Facebook. Venu me lancer à la verdict populaire. Voilà ça, ton compte là. On t'a signalé. Tous tes amis qui te donnaient les cadeaux. Tous tes amis qui te donnaient les cadeaux, ton fils ont fait les problèmes avec toi. Ils ont remarqué que tu ne donnes jamais. Même dans les lives sur TikTok. Nous tous, quand on fait les lives, à un moment, tu vois que quelqu'un, il est à zéro. Tu l'envoies un peu un petit comme mini, mais non, on ne fait pas ça. Il faut toujours qu'on donne. Mais c'est elle qui dit qu'elle est riche. C'est elle qui achète des grands trucs. Une squatteuse comme ça. Squatteuse hors pair. J'ai vu une maison là ici. Tu peux aller squatter ça. Elle est bien. Idiote. Bouffonne au carré. Une touille en oiseau. Tu peux être docteur. Que j'ai fait l'école de médecine. Avant, tu étais à la Sorbonne, de la Sorbonne à la médecine. Tu prends les gens pour les fous. Pendant que tu étais à la Sorbonne ici, comme ça, tu as glissé de la Sorbonne, tu t'es retrouvé à la médecine. Avant, à nous, à Zou, je vais couper le live parce que je reviens. Quand tu sors, je sors. Je vais te crêter. Claude Akam, excuse-moi, je n'étais pas salué beaucoup, hein, ma personne. Bon, madame, je salue d'ailleurs tout le monde qui est là. Agriana Yumbi, salut. Comment tu vas? Priska et Yango. Hein? Voilà quelqu'un qui est quitté. Il a glissé à la Sorbonne. Il s'est retrouvé à la médecine. Je ne sais pas quel chemin il a pris. On étudie la médecine à la Sorbonne. Voilà, merci Alicia Ndumbe. L'autre vient dire ici que Pokam est en train de machin. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et vous allez dire que vous aimez Flore. Donc vous trouvez normal que Flore, avec son rang, son statut, hein, va aller se placer pour répondre à un petit frère comme Pokam. Pokam ne peut pas insulter Flore. Il n'a pas fait ça. J'étais dans le live, j'ai parlé avec Pokam gentil devant Oshiga, devant Amer Kamer. Ce n'était pas une conversation au téléphone. Ce n'était pas une conversation au téléphone. Il ment sans avoir froid aux yeux. Qui est en train de mentir, Sandrine? Est-ce que tu peux être un peu plus expressif parce que je suis à la main sur pour bloquer. Sois plus expressif, s'il te plaît. Parce que I'm going to block you. I'm going to block you. Because I didn't see what you give me. Since I'm here, you never send me something. I don't even know you. I think it's the first time I see you here. Mireille Temeku, comment tu vas? Tu es de quel côté là-bas?
L'hollandaise, Mundjonge, on dit quoi? Ma personne personnelle. Mes gens. J'ai demandé à Sandrine Tamba de nous dire. Ah, ok, d'accord, ma personne. Maman, tu allais prendre coup de balle perdu maintenant. Il manque les médecins. Il faut souvent finir vos phrases. Hein? Anglais sur nous maintenant, mon petit. Yes, of course, I know how to speak English. What some people they think. Hein? That useless guy. Il dit que il était à l'école avec sa copine Annabella. Coco, Nivakin. Je n'allume pas la lumière, je veux pisser. Aïe, je veux pisser comme les mères. Comme les mamans pissaient souvent au pays. J'aimais ça quand j'étais petit. Maman, un jour, mon oncle m'a attrapé en train de pisser. Maman m'a botté avec le pied. Je suis tombé et tous mes pipis et moi. Et j'ai souffert quand j'étais petit. Hein. Je ne pouvais pas faire comme les filles. C'est pour ça que je fais beaucoup maintenant. Laissez-moi vivre. Hein. Ne jugez pas, pardon. Coucou, Adriana, l'ami. Elodie, Fengan, coucou. Cameron, j'ai dit, et j'ai, quand je suis monté dans le live, il y avait aussi Collins Powell, la superstar méga clasheuse de TikTok que je regarde souvent pêcher. Je disais souvent que Collins, c'est Dieu qui t'a puni hier. Hein. Moi, je t'attendais dans mon collimateur depuis. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené vers moi hier. Yeah. Parce que vous êtes souvent ici, vous gesticulez comme les gens ne viennent pas parler vos choses. Toi-même, tu as vu que je peux te connaître dans les brefs détails. Il était sondé deux choses. Ton veuvage que tu es. Collins, le jour qu'il est veuf d'un homme, il habitait à Huy. L'homme là, c'était un junkie. Collins lui tapait. Quand il est même mort, on a soupçonné parce que Collins le battait souvent. Donc, il est mort dans l'alcool. Vous voyez là, quelqu'un boit l'alcool, il fume le pas, il prend le coup, il go nan. Après l'entame, quand on lui attaque, nac, il meurt. C'est comme ça que son gars est là. Elle n'était pas mariée, c'était cohabitant légal. On lui a donné 6 000 euros. 26 000 euros. Les 26 000 euros, là, le Watt l'avait mis, c'était l'argent de l'assurance. Qu'en cas d'assurance, si quelque chose arrive, elle est partie. Elle est partie investir dans la musique. Elle est partie investir dans la musique avec ça. Son clip est sur YouTube. Elle a porté les gants comme Wamakulo au stade Omnisport avec les longs rastas jusqu'aux fesses. Elle croyait qu'elle va exploser comme elle a fait le clip à l'américaine, la soul music. Maman, même mes vidéos clash, on les vit plus que sa musique-là. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'elle vienne clasher avec nous? Elle va avoir les vieux, elle sera aussi star d'une certaine manière. Adriana Yumbi, thank you very much. I also love you. Je parle la vérité, c'est le Saint-Esprit qui m'écoute là. Il sait ce que je suis en train de dire là. Je n'ai pas trouvé ça dans un quartier, comme il trouve souvent les histoires dans les vies des gens à raconter dans des placards, dans des rigoles. Je ne fais pas les poubelles. C'est le veuvage qui dérange Collins. Il vient se placer et dit, oh, le Cameroun m'a instoppé le français de Google. M'a instoppé, dit le... Ma chérie. Le Cameroun t'a instoppé 8 000 euros. Le Cameroun utilise l'euro. Arrêtez souvent vos conneries, là, vos histoires du paraître, ta copine et toi. Mini Minon ouvre sa sale bouche, dit qu'il m'avait donné un client qui m'a payé 3 000. Toi, tu as le Namakri qui paye 3 000 à quelqu'un et tu lui donnes. Toi, Mini Minon, qui connaît avec la bouche comme le poisson de Derry, Mimbaï Lang. Toi, la plus radine de toute la communauté LGBT. Si tu as marché avec 10 personnes, les 10 personnes se plaignent de la même chose. Aujourd'hui, je ne suis plus seul à te reprocher ça. Tous les PD que tu as marché avec eux à Paris sont où? Ceux que tu as marché avec eux à Bruxelles, ils sont où? À Strasbourg, ils sont où? Ils ont constaté que chaque fois que vous partez quelque part, tu ne payes jamais rien et c'est toi qui invites les gars sur la table et c'est toi qui essaies de dénigrer les gens. Hein? Une suceuse et des bangalas sales dans les malles arrière, chienne. On baise la chose dans les caves. On t'a baisé dans le truc du Congolais là. Hein? On t'a fomme dans le truc du Congolais là. Là où toi et moi on s'est gâtés le gars que tu as fait venir de l'Italie là, t'avais dit qu'il n'aime pas ta gamme, il me préfère. Tu étais allé me saboter chez lui que je fume l'un des pas. Mini Minon ne savait pas que le gars là fume l'un des pas. Il ne lui a pas dit parce qu'il ne trouvait pas. Dès que je suis arrivé, sorti de Genève, j'ai allumé mon départ. Le gars là est venu dire il est venu me trouver dehors. Il me dit que j'ai yamo ton feeling. Moi j'aime les gens comme ça qui douent leur truc, qui n'assument pas.
Ok, merci pour les balles sur Colis Nivakin. Pardon, cessez le feu. Tu te crois en Ukraine ici. Maintenant, le gars là lui a tapé. Elle croyait qu'elle me sabote. Non, le gars là lui a tapé. C'est que. Ah, moi je y a un mot. Attends, je vais bloquer les gens qui me bipent les poubelles ici. Yeah, I'm gonna block you. Mireille, je te bloque. Hein. Excuse-moi. Tu vas devoir m'excuser, je te bloque. Voilà. Mireille, où c'est Véronique? Véronique. Donc, elle est donc partie me saboter chez le gars. Le gars est venu me trouver dehors. Il m'a demandé si j'ai encore un de pas. Je l'ai roulé un bon joint. Je l'ai roulé un bon joint. La qualité que non. On a DAC. Maman, c'est là où le gars me tape, c'est qui me yamo. Et que si je veux, pour me discréditer, il va aller dire à Mini Minoko, comme ils n'ont rien fait, sont encore dans le sens de la grague là qu'est. Non. Je lui ai dit que papa, pardon, je vais mourir. Comme tu me vois ici là, je suis le premier enfant de ma mère. Ma mère n'a pas un autre enfant en bain. Il y a mes tantes, c'est la femme. Ce n'est pas pour eux. Papa, ne dis pas ça à Mini Minoko. Comme si je savais, on était en train de fumer. Voilà votre fille. Votre ngondélé, combien de fois vous m'avez vu travesti ici en train de faire les lives? Mini Minon, tu me parles même souvent, est-ce que je suis un travesti comme toi? Petite travesti de merde, quand on tape les trans. Si vous pensez qu'elle est blague, tapez les trans à Paris. Vous allez voir la photo de Mini Minon sur Google, le moteur de recherche la connaît. Tellement elle a vendu les fesses. Pour prendre la place là, il faut que tu t'aides à faire le make-up, la qualité qu'elle soit avec Koussé et Manouwa. J'ai roulé le bonjour à un gars là. Le gars là voulait même m'embrasser avec la force. J'ai dit que non, papa. Tu es un beau gars. Ce n'est pas que tu n'es pas. Mais moi, j'ai trop de problèmes. Vraiment. Moi, j'ai trop de problèmes. On m'a toujours. Dieu est au ciel. Après, j'ai barré même le gars. Je vois le gars là tout le temps, non? Dans les réseaux sociaux ici. Si elle lui veut, elle lui prend, non, mamie. Mini Minon, tu sais que. Mini Minon, chaque fois qu'elle était avec elle. Elle me toujours me rabaisser en public. Pourtant, c'est moi qui paye. Dès que les gens ici sont en train de danser un genre là, parce que moi aussi, comme je connais couper les reins un genre là, vous-même, vous savez, non, je savais qu'elle ne ment pas. Maman, les gens me regardent après, ils disent, ah, maman, tu es mince. Donc, vous voyez un peu pour me casser, pour me dénigrer, non. C'est le jour que j'ai attrapé l'idiote en train de boire le thé pour maigrir que j'ai dit pardon. Donc, celle-ci veut me. Tu es morte, maman. Ouais, nous, à toi, maman, tu veux maigrir. Et tu me dissuades souvent que, ma, tu es maigre. Tu bois le thé. On a dit que, tu bois trois. Elle colle les perruques. Je ne comprends pas son histoire qu'un jeune garçon colle les perruques. L'histoire que tu colles les perruques, là, les perruques que tu paies à 3 euros sur AliExpress, là. Je vais vous laisser parce que le direct va encore être le soir. On ne peut pas faire tout le direct maintenant. Maintenant, moi, il n'y a plus grand-chose à dire sur toi, hein, Mini. Je veux seulement remuer la plaie. Et quand tu m'énerves, je passe sortir un gros caca de toi en bas du lit. Je viens, je dépose. Ça sent bien aux gens. Parce que les gros caca de toi, j'ai beaucoup. Tu sais ça. Toi-même, tu sais. Tu sais que je suis quelqu'un qui fait très attention quand on est quelque part. Mais toi, chaque fois qu'on est arrivé quelque part, tu as vu le Bangala. J'étais souvent assis parfois comme ça. Tu faisais l'amour dans les toilettes. Hein? Bah ça zo on bori lang bah que bah coule du wazout en un vep à vos tes tirs au magnat sous quoi bah tu peux me parler même au Cameroun nos deux familles ne sont pas comparables ta mère est voyante elle n'a pas vu un blanc qui n'a pas le gros ventre pour te positionner là-bas un jour je suis parti chez Mini Minon il me dit qu'il me lit les courriers j'ai dit ça à ma mère m'a dit que plus jamais je ne veux plus entendre ça que même si ton ami te dit qu'il t'accompagne quelque part tu m'as écouté avec quoi ma mère dit jamais plus mec qui va walk un ami te lit les ça comme il a fini de lire pour lui il a fini de lire pour les gens dit que ma mère m'a dit vende me te ba walk en mozing ton voisin est carrément que ma couleur avait Ma mère m'a dit ça. Tata Sylvie, bonjour. Je te cherche même depuis comme ça pour que tu me donnes l'argent. Je suis là comme ça, j'ai des mères riches. Il ne dit pas le nom, maman. Après, elle va aller voler ma mère là. C'est comme ça que elle m'a gâté ma mère, Tata Verlaine Rapide. Tata Verlaine Rapide est où aujourd'hui? Si ce n'est pas Mini Minon qui allait me sabler là-bas. Toujours ma bouchie. Comme on m'a donné bien, je vais aller dire que, hé, hey, mon frère, Mini, tu te rappelles la maman, le faux profil qu'on appelle qui te. Elle n'est même pas.
Ils ont commencé à parler pour la langue. Moi-même, je suis resté placé sur la fenêtre que ma propre chose que j'ai amenée, que j'ai parlé. Amenchosi. Ngumbu. Je comprends quoi? Je vais encore dire que Tata Verlaine, pape, je ne vois plus la photo sur WhatsApp. Que hé, hey, Ngumba, Amenchosi. Hé, Kachenitui. Dieu est grand. Vous comprenez? Dieu au ciel. Dieu nos ciels, Zambana Yop. Je suis resté tranquille. Je suis même allé voir ma mère Amot. Que pardon, j'ai fait quoi à Tata Verlaine? Abimangoul, 10 chiffres. Je n'ai jamais vu une femme qui table 10 chiffres sur Internet ici. Quand on dit que j'ai profité dans la team PDGIS, c'est avec Tata Verlaine. Et les abeilles aussi. À l'époque, Mini Minon me détestait. C'est moi, avec moi, qu'on a instauré l'histoire que les abeilles cotisent pour mon anniversaire. Zing te zu a fa, mizoué l'ani. C'est ça la haine là qu'elle me déteste aujourd'hui. Ha! Ce n'est pas gentil, hein. Ce n'est pas des choses qui sont bien. On ne peut pas faire un être humain comme ça. Partout là, on arrivait un peu quelque part. Que Everi, à l'époque, on n'avait pas les Kaolo. On part d'un bois minimi. On va raconter à tous les gars qui m'ont. Moi, j'ai d'abord entendu des gars Mbangando. Moi, elle peut vous dire, j'ai d'abord entendu. Même si on part où je m'en vais acheter le banga d'un ghetto que. Les gens me disent même que. Ne... Je dis que pardon. Quand ils vont me voir, ils vont savoir que je ne suis pas venu là pour faire les mauvais. Je suis venu pour acheter, pour leur donner l'argent. Attendez-moi ici, pas. Nice, à Nice, dans un dangereux ghetto, quand tu entres là-bas, on fait. Mimi, non, tu me connais. Si toi-même là, si elle veut qu'on te fouette, que ce soit à Paris, que ce soit, tu me connais bien. Si elle veut te faire chicoter. Moi, je n'ai pas la force pour bagarrer, hein, mais je peux te faire taper. Par ceux qui aiment taper les chiennes comme toi. Oui, je peux aller dire ce que tu avais menti sur le petit gars. Mais Mini Minon prend la poudre blanche aux narines. Devant moi, Mini, tu as pris. Mais quand tu viens diaboliser les gens, tu ne dis pas que même toi, ton feu, chien. Et nous ni l'azout. A bourri à nous à nous quoi, on bep. On bep ou quoi? Ça si l'an à nous bouillons ou pas? Je quitte ici. Je suis fâché. Elle m'a trop saboté la fille. Elle a une petite politique. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne parlait pas avec elle quand elle a fini de faire ces choses-là. Toutes les fois qu'elle est venue dans un live, c'est qu'elle m'a trouvé dans le live là parce qu'elle parle avec les gens là. Elle vient demander. Sangrine, je vais te bloquer. Attends, elle est où Sangrine? Ce n'est pas ta. Sangrine, Chamba, je te bloque. Ce n'est pas ta grand-mère qui me l'achète. Hein. Jusqu'à preuve de contraire, je l'achète avec mon argent. Voilà, je trouve que mon commentaire est très déplacé et méprisant. Je n'accepte plus ça en 2024. Si tu veux parler avec moi, d'accord? Tu parles avec moi avec respect et posé. Tu ne parles pas de ma sexualité. Tu ne parles pas de ce que je fume tant que je ne te raconte pas ça. Je ne sais pas avec qui tu baises. Je ne sais même pas si tu es un homme ou bien tu es une femme. Arrêtez votre manque de respect là, hein. Et là, nous en zout. Il me zomte. Et il dit, diga, sois nous zourzois. Je pars, elle m'a énervé. Je ne reste plus. Je ne suis pas content. Je ne sais pas ce que je l'ai fait là. Pourquoi elle vient me distraire? Eke, Lorraine Kumba, c'est comment ma personne? Ça fait un bail. Zara Home, je ne suis pas un Etenga, c'est ma mère qui est Etenga, je suis un Ngwane Etenga. Ma mère, mon père est Yanda d'Afanoyo, donc je suis un Yanda. Hein? Jean-Lionel, bonne journée. Je suis un Yanda d'Afanoyo, plus précisément. Mon nom est Yanda d'Afanoyo, Mutoman Ngwan. Mutoman Ngwan, Ngwane Etenga, Yankolomessi. Ma mère est de Ngwane Tenge de Nkolomessi. Ma grand-mère, c'est la fille de Manda fils à Obili. Tu connais Obili, tu connais le chef Manda fils.
Ma grand-mère, mandat-fils, c'est ma grand-mère. Son mandat-fils est le père de ma grand-mère. Le père de ma grand-mère était l'aîné du mandat-fils. Et maintenant, du côté de la mère de ma grand-mère, ils viennent de Soa-Andouan. On continue au village. Et moi aussi, tu me manques. Mais donne-moi alors l'argent comme ce que j'étais manqué depuis là. Je n'étais pas là. Donne-moi ça maintenant. Maintenant, du côté de ma grand-mère, c'est Andouan. C'est Andouan. Et puis maintenant, le côté de. Parce que mon père a aussi une mère. Hein. Vous savez bien que mon père, ce n'est pas une plante. Enfin, ce n'est pas une plante qu'il a mise au monde. C'est un papa et une maman qui l'ont mise au monde. Donc. Et si on va au Fura, du côté, quand il y a un moment, en Kolemana, quand tu pars, tu vas derrière la route qui sort, tu passes à Mendon, tu coupes là-bas, ça sort en Benkoum, c'est là-bas. Voilà mes villages. Bonjour, voilà ma tante ici, elle casse la chicotte. Est-ce que c'est même son vrai compte, maman? Les gens utilisent maintenant les noms des gens ici sur Facebook jusqu'à. Il faut que ma tante casse la chicole m'écrive la chanson, je chante. Ou bien Chantal a ici. Chantal a ici, je vais aller voir maman Chantal a ici. Elle m'écrit. Mes collègues de mon comptoir au Rwanda. Ah, ok, yeah. Tika, 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 tika. Maman. Abimanu ma yene tika 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 yuwa furuki binya TikTok bi abi tamzu ma ni bi ba dumo bi bi dumo ise biya we o belong komo diye tika tika. Tu me sers à quoi même? L'amour de qui même? Tu es le chef de quoi même? Dis dans ton bazooka est déchargé, tu es limogé oh, je vais m'exploser oh. Romien n'a pas dit que je serais trop fan de toi encore. Non, j'ai fini avec Mini Minon, je t'attends à 18h. Ma yoham karan loa ne ba ka vama. Oui, et n'ayant arrivé, maman, je suis dans le noir. Hier, on a fait le clash jusqu'à 6h. Je n'ai pas beaucoup dormi, je vais sortir là. Il y a une maman, et je vous dis, mes frères et sœurs, là maintenant, je ne suis plus à la rigolade. Il y a une maman qui m'a porté, moi qui vous parle, qui est en train de parler la grosse bouchie. La maman, là, m'a porté dans sa voiture. À Vuitton, en Belgique. Elle m'a porté. Elle allait nous laisser chez une soeur à moi, Célimène. Avant, tu m'appelles que la mère là est décédée, son deuil c'est aujourd'hui. Je vous dis que ça m'a traumatisé. Je suis traumatisé là où je suis là, je ne vous mens pas. La mère là m'a. On a causé, j'étais assis à côté. Elle me dit que elle aime la Sansa, elle cause avec les Célimènes, qu'elle apprend la Sansa aux gens, machin et tout. Une maman très dégagée, explosive. Tu sens une femme qui aime la vie. Et imbécile, la mort. Mes frères et sœurs, vivez. Vous comprenez? Si quelqu'un a quelque chose qui lui passe à tête, qu'il veut faire, surtout nous les Mbengis qui avons les projets au Cameroun, fais d'abord ta chose ici, Seigneur. Tu ne connais pas quand on va t'appeler. Parfois, l'argent la reste même ici. Ceux qui n'ont pas l'assurance, c'est les Blancs qui vont manger ça. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Pardon, dans la vie. Vous comprenez? Je dis que la maman là est morte. Je serai là-bas tout à l'heure déjà, tant qu'on vient me chercher. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, je vais rester seulement au truc laver un peu la collation entre les Africains. Parce que il faut dire qu'il y a encore des villes ici en Europe où les Africains sont très solidaires. Que tu marches en ville en Africain, encore le goût. Tu as même envie de dire que, hey, maman, pourquoi elle n'était pas arrivée dans la ville-ci? Quelqu'un t'a dit, mon frère, tu viens d'arriver, tu es sûr. La personne limite même, il veut se rassurer que tu ne veux pas cacher tes problèmes. Franchement, je salue la communauté camerounaise de la province du Luxembourg belge. Je vous salue. Continuez avec la solidarité comme vous êtes là. Laissez le comportement des gars de Bruxelles, de Paris, de Liège et tout ça. Laissez ça. J'aime comme vous êtes là. Vous savez vous soutenir. Et Dieu va mettre la main dedans. Je dis que j'ai vu ça, j'ai dit, maman, j'ai aimé une fille là-bas, elle est gentille. Ouais, tu te fais quoi? Hein, tu veux manger quelque chose? Ouais, mon frère, on est content quand on voit nos frères ici comme ça. Va un peu à Bruxelles, tu demandes le renseignement, tu entends bien? Les gens se cachent même derrière les voitures pour que tu ne leur voies pas. Ton frère du quartier, il s'accroupit derrière la voiture. Et tu ne dois pas le voir. Il risque de t'aider et t'héberger. Tu vas lui coûter cher.
Pourtant, là-bas, comme ça, à la province, là, il n'y a personne qui a expliqué son problème là-bas. Il n'a pas été résolu. Même s'il faut que les gars. Et ce sont les gens qui travaillent. Ce ne sont pas un vide. Tout le monde là-bas, il travaille. Les filles ont les kaolo. Elles ne durent pas. On trouve le mouka là dans la ville. La vie, toutes les filles qu'ils connaissent là-bas ont les kaolo. Les petits-petits-enfants métissent bien, bien. Joli, hein? Je cherche 5 filles pour faire l'amitié avec eux. Je vais les entraîner. Cinq filles pour faire l'amitié avec elle, excusez-moi. Vous savez que je n'étais pas à soi, non? Je vous dis que la ville est bien. J'aime beaucoup là-bas. Voilà ma photo accrochée là-bas au mur. Pourquoi vous voulez me voir? Sois obligé. Pourquoi? Okay. Hé, ma soeur, tu seras là, maman. Hé, voilà, la mère là, j'ai causé avec la mère là. Hé, Nanou, commençons à repasser les habits, on va aller pleurer au deuil. Si tu dois te préparer, tu dois ne parle pas, je suis en live, tu vas parler ma chose là maintenant. Tu veux que je me dise, mais c'est mon rambé, alors. Hein? On repasse les trucs, non? Non, non, il va arriver à 14h30. On ne connaît pas le type là, comment ça va en tard. Là, il a vu faire quelque chose autant que je veux. Tiens, ne me compte pas, tu ne peux pas être tranquille. Maintenant, je m'aime me laver seulement le carambani. Je vais aller au deuil. Et j'ai oublié que je m'en vais au deuil. Aïe, j'étais assis à côté de la voiture avec la mère là. Une gentille maman, elle nous a porté. Elle me dit que mon fils, j'aime danser la sansa. J'apprends la sansa aux enfants à l'école. Je vais me laver. Je suis en train de m'apprêter pour prendre mon bain. Pardon quoi? J'étais à dire avec ton rap là, tu vas chanter le Bikutsi. Dites à mon petit frère qu'il chante le Bikutsi. J'aime Lady Ponce, mais Lady Ponce. Dis que papil, Ndjoukoubi, Amon Mot. Lady Ponce elle-même là, depuis même que je l'aime là même. Est-ce qu'elle m'aime même? Hein? Elle m'aime même. Je laisse. Je vais me laver. Si vous voulez, je me lave, je ne coupe pas. Hein? Parce que moi, je ne peux pas laisser le Congo ça. Tu sais que mon téléphone est déchargé, tu sais quand ton chargeur. Je veux m'exploser, oh, oh, je veux m'éclater, oh, oh. Tu me sers à quoi même? L'amour de qui même? Tu es le chef de quoi même? Dis donc, ton bazooka est déchargé, tu es limogé. Merci. Maintenant, dans Facebook, celui qui n'a pas l'argent ne peut pas être dans TikTok. J'ai évolué dans TikTok. On s'abonne dans ma page, 2,70 €. Tu n'as pas l'argent, tu ne commentes pas. Tu regardes seulement le live. Il faut qu'on mette ça ici, là. Allez, comme ça, certaines personnes qui jacassent beaucoup ici, là, ils vont nous laisser tranquilles. Depuis que j'ai instauré ça, abonnement dans mon truc, je respire. Je fais tout un live, je ne guette même pas un commentaire. Quelqu'un ne va pas aller commenter pour venir. Généralement, ceux qui veulent s'abonner chez moi, c'est ceux qui m'ont aimé dans le cœur, dans TikTok. C'est moi le combat. Inimino m'a amené dans TikTok dans le but de me ridiculiser. Je suis devenu le combat de beaucoup de personnes. Hein? C'est comme les frères de Lazare. C'est Lazare dans la Bible qu'on avait chassé. On a trouvé prince en Égypte, non? Pardon, attends, elle coupe la caméra là. Le diable est fort. Ça peut tourner comme ça. Bam, je me retrouve comme un. Pardon, hein? Je quitte à côté, hein? S'il vous plaît. Je coupe même parce que c'est pas poli. Vous voulez voir, maman? Heureusement qu'il n'y a pas le mieux. Attendez, mets la serviette. On peut voir le reflet de mon bangala sur les carreaux si ça brille souvent.
Je veux me laver. C'est ici que je me lave dans la bouche, dans le corps, non? Ici. J'utilise gel douche Abidjanais pour le Njansan. Et tu veux. Tu mets ce. Regarde. Ça, c'est l'eau de colonne. Hein? Ma copine ne connaît même pas chercher. Maca. Hey! 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 Maman! Ha! Je veux confirmer si elle voit la capture d'écran. Je veux confirmer qu'elle a la puissance sur Facebook. J'étais déjà en train de vous montrer les semi-parties de mes noyaux. Hein? Une semi-bite. Je me lave, pardon. Laissez-moi avec votre babadage. Moi-même, j'aime trop le babadage. Fini, je ne te cache pas. Assez à ma soeur. Mais je vais toujours venir dire aux gens la vraie version de toi. Parce que tu ne marches pas avec la vraie version de toi. Mon travail, c'est... Peut-être que tu as la flemme d'expliquer qui tu es. Donc moi, je gère ce boulot. Je le fais à ta place. Maman, les gens qui ne se lavent pas, ça rentre même pas. En fait, comme je suis en train de me verser l'eau, je sens là comment tout mon corps se réveille. L'eau est même excitante. Je vais acheter le reste là, il faut qu'on dans la baignoire ici. Là, tout le monde me lave avec. Hey, ma petite pour TikTok. TikTok qui a l'argent. Les petits petits cadeaux ici, là, quand on donne un cadeau à quelqu'un, on va encore même le taper. Je n'ai jamais pris une étoile de Facebook. Hein. Toutes mes étoiles sont encore là. Est-ce que vous savez ça? C'est qu'elle passe mon. Je suis en train de passer le permis actuellement. Formation assurée, permis, il manque le permis. C'est une chose à la fois. Hein? Dis-moi, non, quoi, moi que tu vois cela. Mon arrière-grand-père était pas n'importe qui. Quand tu demandes à Andromelle, mon arrière-grand-mère, l'une des premières femmes à conduire les deux chevaux. Dans tous mes lèvres. À l'époque, il n'y avait même pas la garde présidentielle. Nous avons eu quoi même au moment où Massine nous a fait faire ça pour nous zéper. Hein, de nous en gars pour zéper, ils sont en gars pour ça. Tout bien va me pied. En gars pour ça. Et au moins nous à pied, on va les pieds parce qu'on est une championne. Hein? Moi, je cherche ma grand-mère, c'est ma vie, ma chérie Coco. Je viens de la famille Onatangana, mais comme ma maman m'a eu jeune, vous savez, chez nous les bêtises, je porte le nom de la famille de ma mère. Mais sinon, je viens de la famille. Mon père s'appelle Onatangana. Et vous allez voir, ma mère, ce sont les Élandis, c'est ça. Ma mère, c'est mon père et ma mère en même temps. Même mon père, lui-même, là où elle est, c'est. Et c'est ce qu'il envoie la nouvelle. Tu m'as mis ça où? On ne peut pas aller récolter là où on n'a pas semé. Impossible. Ça sera, on va appeler ça du vol. Si le propriétaire du champ lui-même veut vous donner. Hein? Parce que la récolte était agréable, bonne. Il vous donne. C'est venu dire que imposer que vous allez récolter là où vous n'avez pas semé, je suis désolé. Si je deviens multimilliardaire là, un jour, et que toute la famille de ma mère n'est plus, voilà, je vais demander même qu'on cherche même les arrière-arrière-cousines. Et qu'on donne ça là-bas. Je me suis en bon thème avec mes tatas paternels. Hein. Je suis en bon thème d'ailleurs. En fait, je suis trop vrai envers eux. Et ils se sont rendus compte que toute la vie, j'ai raison. Parce que ce n'est pas des négociations. On a un débat, je dis ce que je pense. Je crache, tac. Que l'âge que j'ai ici, là, je n'ai plus moi l'âge d'appeler moi quelqu'un papa. Oh. On peut aussi très bien me laisser comme ça. On me laisse. Je connais qui est mon père. Dans mon acte, ce n'est pas écrit père non identifié. Je le connais. On a vécu ensemble.
mais pas toujours. Donc, quand tu parles mon histoire, parle mon histoire avec beaucoup plus de précision. Parce que sans te laver le corps humain, le corps humain n'a pas que quatre parties, ils nous ont menti à l'école. Toutes les parties qu'il doit laver, si. Coucou! Imagine moi qui est maigre comme poil, j'imagine alors les gros pains se lavent, maman le travail de ça. Vous comprenez pourquoi ils sentent souvent ces dents? Ça peut être béni, hein? J'aime beaucoup l'eau de Cologne quand il fait chaud. Hein. J'aime ça. Voilà, Ricoua, en bas là. Vous ne partez pas. Mini Minon, je reprends tout. Maintenant même, je vais mettre quelqu'un dans ma page au Cameroun, quelqu'un au Cameroun Moudo. Modérateur. Toujours se laver les narines pour éviter d'avoir les croûtes dans les narines en public. C'est important. Quand on a un certain âge, ce n'est plus joli à voir. On ne tolère que sur les enfants. Sinon, même 15 ans, on ne veut plus voir la morve dans tes narines. Il y aura le mini minor et mon wobazout. Mimbaïlan. Au quoi, ou nous, il est au quoi. Je sens un peu de me faire un final là. Hein? Maman, avant-hier, j'ai dormi comme si on m'a lancé le sommeil. C'est comme si elle savait que j'aurais le clash aujourd'hui. Ah, voilà, on va faire la baisse encore. J'ai dit que ramène tes copines, je vais vous gérer. Ramène-leur, on va se faire ça, ça les mal. Les gens que tu es parti t'allier avec eux, que tu faisais les réservations sur TikTok, que le jour que on aura encore les problèmes, ils vont sortir en ta faveur. Le Saint-Esprit a fait pendant que tu t'es gâté avec tous ces hommes-là. Parce que tu commençais à clasher Flore, tu t'es rendu compte que non, il fallait continuer dans la lancée. C'est qu'à l'heure, si tu es aux urgences, là où, à l'hôpital où tu travailles, là. Parce que je devais te témoigner. J'avais à peu. Là maintenant, je suis soft avec toi, hein, je te jure. C'est parce qu'en réalité, ça, c'est, je règle juste mes comptes. Mais si tu continuais dans la lancée que tu voulais continuer là, oh, mamie, tu devais apprécier. Voilà. Tu devais apprécier. C'est là où tu devais comprendre que dans mon... pour avoir les problèmes avec moi, c'est trop dangereux. Tu as vu ce qui était fait hier, non? Tu ne t'attendais pas. Tu étais perdu en live. Tu étais perdu. Comment est-ce que ça, j'ai dit? Je ne réponds même pas. Comme ça t'a trop piqué, tu as vu ça partout, tu viens écrire que... Je vais faire du secteur. Donc tu peux traiter quelqu'un de saleté. Hein? Avec le zoabouane qui pousse dans tes fesses là. Tu connais le zoabouane, la moisissure. La moisissure belle là. Hein? Mon zoabouane est géophage. Il y a un canard où tu as mis à tes morts. Ok. Et qui se moque donc? C'est ça, moi, maman. Pardon. Quelqu'un d'autre peut me dire ça, mini, pas toi. Tu n'es pas éligible, papa. On se connaît. Je connais la pudeur de ta bouche, tes aisselles. Hmm? Et tout ce qui va avec. Donc tu es trop loin, Périca. Pour m'appeler. Tu es trop loin. Pour m'appeler saleté. Pardon, on va chercher une autre personne qui est un peu plus propre que toi.
Parce que ce n'est que pour toi, là, même quand on sortait souvent parfois. Parfois, tu me disais que ouais, ma, on peut en venir se laver après, non. La dernière fois qu'on s'est vu à l'hôtel à Paris, même à Mulhouse, on m'a de bonnes données. Et t'as dit que, mamie, moi, je n'ai plus l'âge pour sentir la transpiration en public. Depuis tout le monde qui me connaît, j'ai plus l'âge là. Je ne suis pas à l'école primaire ici qui va arriver avec une forte odeur de transpiration. J'en ai des piles. Je dis bien des piles. Tout ce qui est déo, parfum. Ça quand même. Je ne joue pas avec ça. Je n'ai plus l'âge d'arriver en public et indisposer les gens avec les odeurs d'haleine ou bien les odeurs des aisselles. Je n'ai plus l'âge là. Il n'y a que les divas en carton comme mini minor comme ça. Elles portent une contrefaçon de Louis Vuitton, l'odeur de la sueur qui sort de ses aisselles. Si Louis Vuitton voit ça, il peut se fâcher. Gourin ou bien Koundinien. Oh, pourquoi tu ne peux pas parler à ma soeur? Collins qui a insulté Flo, pourquoi tu ne clashes pas Collins? C'est parce que tu as peur de Collins. Tu as vu comment je t'ai retourné ton truc là en live, non? Pour te dire que quand j'arrive dans une société, je ne fais pas ami avec les employés, je fais ami avec le patron. Tu es encore au niveau. Maman, je vais porter le maillot du bassin pour l'autre. Je voulais m'habiller en sport, non? Comme je suis un garçon là. Quand ça m'arrange. Aïe! Maman, la vie est belle, quel bolu. Je suis en train de mettre, il faut mettre ça. Quand on va dire un peu de transpiration, les odeurs. Moi-même, quand la transpiration sort de mes aisselles, il dit que tu peux boire ça. Ça peut atténuer la soif d'un petit garçon de 12 ans. Si la soif, hein, mon gars, il me bat. Bébé, il m'a quoi, mine. Mon gars, il me tire le bi. Mon gars, fêté. On doit savoir que c'est quand même moi, la présidente, hein, Marie-Nicole. C'est moi. Je vais porter le jean avec mes mains, ses pieds. Et je souffre. Hein. Maman, les gens aiment alors quand ils portent le pantalon. Beaucoup de gens sont souvent habitués de me voir avec les gros habits, quoi, et qu'ils sont gros. Hein. C'est pour ça alors qu'ils n'importent plus les pantalons. Ils m'ont mis les gros habits pour commencer à croire qu'ils sont gros. Le jour qu'ils vont encore porter les petits pieds, hein, 3 kilos et demi. Que hé! Oh, le gars, c'est un mec comme ça. Je vous avais dit quand qu'il était gros. Comment arrêter ça? Hein? Arrêtez-moi les comportements, là, j'ai pas aimé. Je ne sais pas où avait le poids. Vous ne savez pas que le poids apporte beaucoup de maladies. Tout le monde qui a grossi un peu plus que la moyenne du genou, il a le diabète. Hein. Et en plus, on est diabétique chez nous. Et dit tous mes tantes qui ont vos bavés les accouchements, comme on dit souvent là, les bonvobènes. Toujours avec le diabète, hein. C'est héréditaire, le diabète, la tension. Marimba, c'est comment, ma? Je blague ou quand il dit qu'il souffre, ce n'est pas comme si je suis couché à la poubelle ou c'est qu'il veut que si tu as même 300 euros là, tu me donnes. C'était dans ce contexte là. Et pas dans le contexte de la pitié. Oh. Maman, mais mes mains, ces pieds, est-ce que je suis même jolie?
Eh ben oui, pour deux. Quoi?